je reviens avec une petite vidéo pour agrémenter son agenda et pour le rendre un peu plus sympa. Donc je vais vous montrer qu'il y a moyen de faire des petites choses avec des décorations de trombone ou bien des marque-pages un peu plus sympas. Donc pour personnaliser un petit peu son petit agenda. Alors, nous aurons besoin de une paire de ciseaux, évidemment, de trombones divers et variés. Nous aurons besoin de la colle et nous aurons besoin de différents matériaux pour décorer en fonction de nos besoins. Donc, ici, je vais prendre des petites perles. Je vais prendre également du papier cartonné que j'ai prédécoupé en forme d'étoile ou en forme de trèfle à quatre feuilles. Mais vous pouvez laisser place à votre imagination pour tous les décos possibles et imaginables. Et nous aurons également besoin de rubans de différentes couleurs en fonction de vos goûts et ce qui vous fait le plus plaisir. Donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire prendre un trombone et un simple morceau de ruban. Donc ici, je prends un ruban que je vais découper en deux parce qu'il est trop grand. Je vais essayer de le découper. Voici. Voilà. On le replie en deux pour le passer à l'intérieur du trombone. Voici, comme ça. Ensuite, avec la petite boucle qui s'est formée ici, on passe les deux autres parties dedans. Voilà. On tire, on tire, on tire, on tire. Voilà. Et d'un côté, vous avez le petit nœud et de l'autre, vous avez... Alors, bien évidemment, vous pouvez faire des dessins . On va essayer de ne pas couper l'un dans l'autre. Les ciseaux ne sont malheureusement pas assez aiguisés. Je vais aller prendre une autre paire que je vais chercher immédiatement. Ça devrait aller beaucoup mieux. Je prends, oui, j'ai pris le ciseau. Voici. Voici. Donc, et vous voyez que nous avons, pour faire les petites finitions également, vous voyez que nous avons un trombone qui peut servir de marque-page pour une feuille. Et voici le résultat, qui est plutôt sympa. On peut faire des doubles nœuds, donc c'est rajouter plusieurs rubans ensemble et faire plusieurs décos. On peut également agrémenter les pièces avec des bijoux de ce style là qu'il faut simplement poser avec un point de colle, par exemple ici. Et notre ruban est en plus décoré un peu plus. Bon, ici je l'ai simplement posé, mais il vaut mieux coller avec de la colle à perles, à tissu, ou bien une colle forte ou autre. Là, je le ferai hors caméra. Ce que l'on peut également utiliser pour faire des décorations de trombone, c'est simplement du ruban autocollant. Donc ça, c'est facile aussi. Vous prenez un morceau de ruban que vous souhaitez coller. Vous retirez la partie délicate, c'est le collant. Donc,
Vaut mieux avoir des ongles pour pouvoir le faire, ce qui est malheureusement pas mon cas. Sinon, vous pouvez essayer aussi du washi tape. Ça marche très bien. Ça marche même mieux, mais je retrouve plus le mien. Donc... Et il recasse le tronc, celui-là. Il ne veut pas se laisser décoller. Donc, en fait, le résultat, c'est la même chose. Nous passons dessus. Une fois que vous avez enlevé, vous faites comme ceci, et puis vous pouvez évidemment faire des découpes pour faire des jolis dessins du style ceci et ceci. Voici. Ce qui donne un autre type de trombone. Donc ça, c'est pour un deuxième. Une autre idée que j'ai eue, c'est avec des brillants comme ceci. Si vous faites des DIY ou quoi, vous avez parfois des chutes. Donc l'idéal, c'est de récupérer. Donc pour les rubans, vous pouvez récupérer des bonbonnières pour les dragées et tout. On reçoit parfois des rubans pour des cadeaux à Noël. Bah, vous gardez les rubans, puis ça peut vous servir à faire une déco sympa pour pas trop cher. Donc ici, j'ai une rangée de, on va dire, de pierres de 4 sur 8. Et en fait, je vais découper les petits bords pour en faire une croix. Donc, j'ai déjà fait l'exercice parce que je voulais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous voyez à peu près. Donc j'ai coupé les 4 coins. Et au milieu, si on coupe, ou alors si on plie en deux, en fait, j'ai enlevé les 4 coins. Pour donner ceci. Et ceci va aller agrémenter un trombone que je passe, voici, suffisamment large pour pas casser, et voici ce qu'est-ce que ça donne. Voilà. Il suffit de mettre un point de colle ici à la colle forte, et puis vous avez un joli trombone pour décorer votre agenda. Donc je mettrai des photos en close-up pour bien voir de près ce que ça donne. Voici. Et vous avez des trombones décorés. Vous pouvez également décorer vos trombones avec du papier cartonné de ce type là, donc que vous mettez simplement sur un trombone comme ceci, que vous collez l'un derrière l'autre. Bon, il faut que le dessin soit tip top pour avoir le trombone bien des deux côtés. Vous pouvez également faire avec... Il faut faire place à votre imagination, en fait, en fonction des saisons. Pour la Saint-Patrick, par exemple, vous pouvez faire du trèfle à 4 feuilles. Pour Halloween, vous pouvez faire des citrouilles, tout ce que vous voulez. Si vous êtes adepte de la pâte filmo, alors là, vous pouvez tout faire, parce que la pâte filmo s'accroche très bien au trombone. Moi, c'est pas mon cas. Je n'utilise pas la pâte filmo, mais pour tout ce qui est scrap et tout, vous pouvez vraiment aller chercher vos idées sur les blogs, et ça regorge vraiment d'idées pour décorer. Donc voici, et vous pouvez toujours agrémenter, comme je vous le disais, avec des perles, avec des paillettes, avec tout ce que vous voulez, même avec des stylos à encre pailletée ou quoi que ce soit, pour faire des dessins et rendre encore plus jolis vos trombones. Voilà, ça c'est pour la partie trombone. Vous avez également dans les papeteries maintenant de plus en plus de trombones avec différentes formes comme ceci, que je vous invite à chercher. Vous en avez beaucoup sur AliExpress ou sur les boutiques Etsy, etsy.com il me semble, et vous pouvez vraiment faire des chouettes trouvailles.